Les liens permettent à l'utilisateur, depuis le bloc-notes et sans quitter l'environnement de travail, d'appeler des ressources extérieures, fichiers, applications, pages web. Quel que soit le type de lien que l'on souhaite réaliser, la procédure sera la même. Premièrement, on sélectionne l'objet qui appellera le lien. Ensuite, on effectue un clic droit sur cet objet. Puis, on choisit dans le menu contextuel qui s'est ouvert l'option hyperlien. Enfin, on renseigne la boîte de dialogue afin d'indiquer ce que l'on souhaite ouvrir. Ici, le lien est effectué avec un fichier Excel. Un clic sur l'étiquette du départ ouvrira donc le tableau choisi. Le lien avec une application est plus difficile à réaliser. Il faut en effet rechercher dans le dossier Programme le fichier exécutable correspondant à l'application. Ici, il s'agit du fichier winword.exe. Réaliser un lien avec une page web est une chose aisée. Il suffit en effet de sélectionner, dans le navigateur, l'adresse de la page visée et d'effectuer un copier-coller pour renseigner la boîte de dialogue. Enfin, Mimio Studio propose également la possibilité de réaliser un lien avec une autre page du document. Cette opportunité sera appréciable pour la réalisation d'un sommaire, par exemple.